Allez, salut à toutes, salut à tous. On se retrouve pour la deuxième partie. La deuxième partie de la visite de mon serveur. The World is Yours. Donc, pour ceux qui auraient suivi la première partie, c'est la suite, bien entendu. Donc, là, on continue la visite. On s'était arrêté sur la terrasse en haut du chalet. Donc, on va continuer la visite. Donc on va grimper au plus haut. Donc là pareil, je vous avais dit, il y avait des petites terrasses un peu partout. Là il y a une terrasse pour le front de mer. Voilà, on voit un petit peu tout. Là c'est nickel. On continue à grimper. Évidemment, il est tout en hauteur, presque, ce chalet. Encore une terrasse. Et donc là, je crois que on ne peut pas aller plus loin. Donc, on va descendre et se remettre au point de départ. Et voir le dessous du chalet, en fait. Voilà une espèce de préau royal. Voilà, et là c'est pas terminé non plus, il faudrait que je creuse pour faire un sous-sol aménagé, parce que bien évidemment il y aura aussi d'énormes constructions en sous-sol, quoi. Donc là, on passe sous le chalet. Donc j'ai essayé de faire un effort sur l'architecture, en fait, pour que ce soit le plus joli possible. Voilà, donc là, on retrouve le chalet du jardinier. Et là, on va voir la petite gare. La première petite gare. Il y en aura d'autres, hein, parce que le monde va s'élargir. Donc, forcément, il faudra mettre un peu des points un peu partout pour pouvoir voyager dans le monde en wagon. Voilà, donc la première petite gare. Voilà, donc elle est un peu vide, mais bon, ça fait office de gare. Voilà. Voilà, et là on va continuer avec le pont. Le grand pont qui traverse le cours d'eau. Alors ce pont est en deux parties. Un petit peu comme un vrai pont, quoi. Avec une partie sur le dessus et une partie à l'intérieur. Donc on peut aussi traverser le pont de l'intérieur. Donc là on va avancer un petit peu rapidement. Tac, tac, tac. Voilà. Et là, quand on arrive au bout du pont, on arrive sur la cathédrale. Voilà. Alors ça, c'est le petit bijou de. Enfin, pour moi, hein, bien sûr, parce qu'il y a des constructions qui sont encore plus énormes que ça, que j'ai vu sur certaines vidéos. Mais pour moi, bon, c'est le petit bijou du serveur, pour l'instant, hein, parce que c'est l'une des plus grosses constructions pour l'instant. La cathédrale des anges, comme je l'ai appelée. Voilà, en plus, ça tombe bien, on la voit de nuit. Tout illuminé. Donc celle-là aussi m'a demandé énormément de travail. Et je suis monté au point le plus haut, c'est-à-dire que sur les tours aux quatre petits toits là-haut, je peux poser encore un seul cube. D'ailleurs, on a la tête dans les nuages, hein, donc là on est vraiment au plus haut possible. Sinon, ben, j'aurais fait plus grand.
Voilà, donc là vous avez la cathédrale. Alors le dallage n'est pas fini, hein. Vous pouvez constater, c'est pas terminé encore, hein. Donc il va y avoir pas mal de choses, notamment derrière un petit cimetière. Il y aura un petit cimetière et puis là, en plein milieu, la forêt va être rasée. Et il y aura aussi de grosses constructions, je ne sais pas quoi encore. Mais c'est en projet. Voilà, donc là on a fait le tour. Il y aura une petite entrée pour la crypte de la cathédrale. Juste en bas, là, voilà, ici. Ça sera la crypte. Bon, alors normalement, les cryptes sont généralement à l'intérieur du bâtiment, mais bon, là je l'ai fait à l'extérieur. Mais ça gêne en rien. Le bateau pirate. Voilà, celui-là aussi, je me suis beaucoup amusé à le faire. Celui-là, je l'ai fait avec Sancho VLM. On s'est bien amusé. Voilà, le bateau pirate. Voilà, qui accoste près de la cathédrale. Donc là, on va faire un petit tour dans la cathédrale. Vous voyez, elle est quand même assez haute. Hein. Elle est quand même assez haute. Ouais. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette cathédrale. Voilà, donc là il y a les deux côtés. Et l'hôtel. Voilà pour l'intérieur. Donc c'est peut-être le seul intérieur que j'ai décoré, enfin que j'ai décoré, que j'ai aménagé pour que ce soit joli. Je voulais pas la laisser vide. Voilà, donc il y aura certainement encore quelques petites statues. Ici par exemple, là-bas aussi. Là aussi, il manque quelque chose. Mais ça, je le ferai par la suite. Donc voilà, voilà pour la cathédrale. Voilà, donc là, on arrive à peu près... ben voilà, ouais, là, c'est le terminus pour l'instant des constructions, hein, le front de mer. Vous avez la tour de guet aussi qu'on avait vu dans la première vidéo, enfin si vous l'avez vu, première vidéo en musique, les deux tours de guet attenant au front de mer, au rempart du front de mer, avec un passage pour laisser les bateaux rentrer. Voilà, et donc là j'ai continué le rempart, donc derrière il va y avoir une grosse construction aussi. Là, il y a une tour qui n'est pas finie et j'ai commencé une sorte un peu de pont romain. Voilà, qui va aller sur l'autre parcelle, qui traverse l'eau et qui va aller sur l'autre parcelle. Voilà, donc là je l'ai commencé mais ça va encore monter, hein, il n'est pas fini du tout. Il n'est pas du tout terminé. Voilà, je vais le faire monter un peu plus haut. Donc voilà l'étendue du serveur. Hein. On peut même peut-être faire une. Si ça lague pas trop. Voilà, de le voir de plus haut. Voilà, donc la construction ici que je vous avais montré du chalet, la tour en construction. C'est pas encore terminé. Il y a beaucoup de choses que j'ai commencé et que j'ai pas terminé parce qu'en fait j'amorce un peu les idées et puis j'y reviens après par la suite pour pouvoir ça m'aide un petit peu à la construction quoi, de savoir ce qu'il y a à faire à certains endroits quoi. Voilà, et là on revient sur le front de mer hein. Donc voilà l'étendue c'est tout en long presque.
Et il va encore y avoir pas mal de constructions. C'est loin d'être fini. Il y a toute cette terre en bas à décaisser aussi. Vous voyez les rails aussi. Alors les rails sont très, enfin, j'ai essayé de les faire le plus discret possible parce que sinon ça gâchait un peu le paysage. Donc j'ai essayé de trouver un système qui fasse que ben, on n'y fasse pas trop attention en fait. Et c'est plutôt réussi, enfin je pense, hein. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais voilà. Et donc là, on arrive chez Passetout 34. Donc je me suis arrêté là. Voilà pour le début du serveur. Donc vous voyez, hein, que c'est loin d'être terminé. Voilà comment se termine le pont. On arrive quand même au pied de la cathédrale. Voilà, ben je pense qu'en deux vidéos, on a quand même réussi à faire un petit peu le tour. Donc j'en ferai d'autres pour quand il sera un peu plus élaboré, pour que vous puissiez suivre l'évolution. Voilà, donc ben j'espère que vous vous êtes fait plaisir, que ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Par contre, je voulais lancer une petite annonce juste avant de finir. Je cherche des gens qui sont comme moi fans de grosses constructions en fait, et qui aimeraient qu'on ouvre un serveur vierge et qu'on fasse des constructions ensemble. Donc ça serait sympa parce que là tout seul, bon ben, c'est bien, mais c'est un peu chiant quoi, au bout d'un moment. Donc s'il y en a que ça intéresse, eh ben, qui me rejoignent sur le Xbox Live s'ils le veulent. Et je mettrai mon gamertag dans la description. D'ailleurs, mon gamertag est dans la première vidéo en musique. Hein, donc à la fin de la vidéo, vous avez mon gamertag, skin 34. Hein. Donc si ça dit à certains joueurs de construire sur un serveur pardon, vierge, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Et j'aimerais aussi des gens qui connaissent un petit peu les mécanismes avec le Redstone et tout ce qui s'ensuit, parce que c'est pas évident à faire. Voilà pour la petite annonce. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.